tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui, on se retrouve sur. J'adore mon menu. Oui, j'adore mon menu. Mais bon, j'ai commencé un peu l'enregistrement avant. Du coup, voilà, on se retrouve sur Inazuma Eleven Go de Cornerstone. Tout simplement. Voilà, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait une vidéo sur Inazuma Eleven Go de Cornerstone. Ne vous inquiétez pas, Inazuma Eleven, c'est juste jamais fini. C'est juste que j'ai un peu moins de temps où j'ai. J'ai du temps, mais je consacre à autre chose. On va en parler un peu plus tard. Tout d'abord, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici dedans, multi et plus. On va aller faire téléchargement. On va aller télécharger normalement. Ça va dire connexion à internet, téléchargement. Il n'y a pas de téléchargement. Pas de nouvelles données trouvées, il va mettre. Hein? Pas de nouvelles données? Aucune nouvelle donnée n'a été trouvée. On va aller dans challenge. Ah, c'est ça l'astuce que je vous avais donnée. Il y a challenge reçu. Non, c'est pas challenge reçu. Challenge personnel. Paramètres street pass. Oui, désactivé. Huhu. S'il veut bien, merci. Ensuite, on va aller re-télécharger. On va aller faire ça trois fois. Trois fois télécharger. Allez, pas trois fois enlever, remettre. Hein. Trois fois télécharger. Du coup, ah merde, je devais encore une fois appuyer. Merde. Donc oui. En fait, j'ai du temps, mais je consacre à autre chose. Je vais en parler rapidement après. On va refaire, et ça, c'est la dernière fois que je le fais. Hein. Oui, activation du Street Pass, ok. Je montre quand même encore une fois pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Voilà, ça va sauvegarder. Et c'est peut-être à ce moment-ci, en fait, que les données sont transmises dans le machin. Parce qu'en fait, après chaque sauvegarde, après chaque téléchargement, quand il y a justement des nouvelles données, le jeu sauvegarde. Et ici, il ne sauvegarde pas, comme il n'y a eu aucune nouvelle donnée. Mais peut-être que comme il en trouve, mais qu'il ne sauvegarde pas, voilà, il a trouvé. Il a trouvé. À mon avis, c'est justement en faisant comme ça, en justement grâce à la sauvegarde du Street Pass, que ça peut marcher. Je pense que ça me semble l'explication la plus logique du machin. Du coup, on va aller à Inazuma de nos jours. Parce que oui, Inazuma, c'est une ville. LOL. Non, c'est Raymond, la ville. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Hé, mon frère, on est d'accord. Pardon, je suis désolé. Allez, bon, on va aller une fois au dojo. Il y a trois endroits... Merde. Il y a trois endroits que vous devez vérifier à chaque fois qu'il y a un téléchargement. Vu qu'on ne reçoit plus rien via Linalink, il faut vérifier. Ah, ben il a rien pour moi, c'est pas grave. That's unfortunate. On va redescendre. Merde. En fait, je devais juste aller tout droit. Tout simplement. Et moi, comme un con, j'étais un peu à gauche. Ok, on va parler au mec ici, voir s'il y a des nouveaux... Lui, je pense qu'il n'était pas encore là. Mais non plus, il est encore mignon. En plus, il a un béret. Hey, milieu de... Ah, de type bois. Je suis désolé. Milieu de type bois, j'en ai déjà... Oh, ici, il y a des nouveaux. Ici, il y a des nouveaux. Le Prodler, il n'y était pas. Ça, j'en suis sûr. Et Sception non plus. Je me demande si c'est Sception qui n'avait pas Pegasus dans... Pegasus les talons ailés. Pas Archipegasus. Je me demande si lui n'avait pas Pegasus normal, en fait. Du coup, voilà, je checkerai juste tout ça après, je vous montre rapidement ce qu'il y a. Merde. Pour ceux qui voudraient comparer avec... je pense que Serviette est nouvelle. Et Propa aussi. Je peux me tromper. Et Couleur est nouvelle. Quoique, Couleur, ça faisait déjà un moment, de peut-être 2-3 semaines qu'elle était là. Et la Gus, il y a moyen qu'elle soit nouvelle aussi. On va aller juste encore vérifier la communauté premium qui se trouve tout en haut. Voir si Ban et Hiro ne sont peut-être pas disponibles. LOL. Ils ne seront jamais disponibles. Ils ne seront jamais. Jamais. Vous m'avez entendu. Jamais. Je rigole bien sûr, hein, je ne sais pas quand. Oh, il y a un Samu. Kin est peut-être nouveau, je sais pas. Nouvelle. Excusez-moi. Excusez mon ignorance. Bitch. Dommage qu'elle a les yeux bleus, cette pute. Hein. Je rigole, hein, bien sûr, en disant, ça. Bref, on va aller faire un match. Vous l'avez certainement déjà deviné, vu le titre.
de la vidéo, hein, je dois pas vous le cacher. Même si moi j'ignore contre qui on va. Allez, contre qui je vais affronter. Allez, qui je vais affronter maintenant. Ben vous le savez déjà, tout simplement parce que voilà, il est dans le titre de la vidéo. Dans la miniature, si je n'ai pas eu la flemme. Et donc c'est le Collège des Mirages. AKA. Genie Gakuen. Dans la version japonaise. Genie. Gagner, mais par contre gagner ils font jamais. Oh, madame. Allez, c'est parti après cette blague de merde. Alors il y a Berton qui a des stats plutôt bonnes. Après je ne connais pas les movesets de voilà. Je me demande si dans cette équipe il y en a pas genre un qui apprend. Comment que ça s'appelle? Donne-toi à fond. Je me demande, je ne sais pas si c'est dans cette équipe-ci ou bien Kirkwood. Je ne sais plus. Je ne sais plus, en toute honnêteté. Je pense que lui, dans le précédent épisode, il avait évolué. Du coup, on sait que ça va mettre un petit temps avant qu'il évolue. Du coup, on va peut-être privilégier lui pour commencer, vu que comme ça, on saura s'il évolue ou pas directement. Même si, bon, je pense pas qu'il va évoluer cette fois-ci. Hein. En toute honnêteté. Les amoureux femelles. Donc pourquoi est-ce que je ne fais pas beaucoup d'Inazuma? Parce que tout simplement, quand j'ai le temps et que j'ai envie d'enregistrer, ben je fais autre chose. Que ce soit du Sword Art Online ou du Dumbbell Senki, je préfère encore enregistrer ça que justement faire allez, qu'enregistrer de l'Inazuma, quoi. Du coup, voilà. Mais il faut savoir que de base, j'ai déjà moins de temps, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent sur Twitter et ceux qui ont regardé la vidéo... Comment que ça s'appelle? Je vais immédiatement retirer ça du montage. Ils savent qu'en fait, je suis occupé avec un gros montage qui est en fait une combo movie de Tales of Zestiria de Alisha plus précisément. Bon, j'utiliserai quand même d'autres personnages parce que sinon ce serait un peu chiant que du Alisha, que du combo avec Alisha, surtout que les combos sur Zestiria ne sont pas aussi variés que sur d'autres Tales of, in my opinion. C'est un peu toujours la même chose, c'est du Chain Blast, c'est... Oui, c'est Chain Blast ou Partner Blast, et puis c'est le même spam de technique que voilà, tout le temps. J'utilise bien dans la combo movie, sur les deux clips principales avec Alisha, j'utilise bien trois fois Mekyo Shisui, trois fois... C'est beaucoup. Je sais que dans Xillia 2, spammer les Falling Snow, allez pas spammer, mais utiliser Falling Snow et Rain Bullet sont des très très bonnes techniques en combo. Mais bon, quand même, voilà, ce sont des... C'est différent. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Mais il est quasiment fini, alors il faut savoir qu'il me manque 2-3 combos. Alors, 2-3 combos, pourquoi? Parce qu'en fait... De base, il m'en manque encore deux. Il me manque le combo pour l'intro, pour la grosse intro. Parce qu'il y aura deux intros, en fait, dans la vidéo, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je pense que tout le monde l'ignore. Il y a deux intros, et la première intro, j'ai pas encore le combo pour la première intro. Merde, il était passé, en fait. Du coup, celui-là, je suis en train de l'enregistrer. Ça fait bien une quinzaine d'heures que je m'entraîne, et que je n'arrive pas à faire ce combo, en fait. Je sais qu'il est tout à fait possible, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Je vais utiliser un petit esprit guerrier juste avant, et après je vais continuer mon explication. Je vais mettre Maes. En fait, ce qui se passe, c'est que bien pendant une dizaine d'heures, je me suis entraîné sur un monstre random, c'est-à-dire un monstre bien précis, mais je me suis entraîné sur un monstre random pour justement faire ce combo, parce qu'il avait, voilà, me disait que c'était bien contre lui. Je le réussissais pas, mais j'y étais presque. Et il faut savoir que ce combo est divisé en trois parties. Et... J'arrive à faire la première partie. J'arrive à lier avec la deuxième partie. Du coup, j'arrive à faire...
J'avais fait la première partie et la deuxième partie séparément. J'arrive à faire la première partie, j'arrive à faire la deuxième partie séparément. Je me dis, je vais faire la première partie suivie de la deuxième partie. J'y arrive tout à fait. C'est ensuite avec la troisième partie que ça commence à bugger. Tout simplement parce que je n'étais plus bien positionné. Merde, j'ai raté la balle. Ça m'énerve par contre. J'étais plus très très bien positionné justement pour justement utiliser mes autres arts qui... Voilà, j'étais... C'était pas bien. Du coup, j'ai un peu modifié mon combo, mais mon combo, je l'ai modifié contre le monstre que je veux vraiment affronter dans la combo movie. C'est-à-dire qu'il y a un boss que je veux affronter, utiliser ce combo contre lui, et il faut savoir que j'avais choisi l'autre monstre un peu par rapport à lui, parce qu'il a un peu le même gabarit. Et en fait, je combats ce boss, je fais la première partie du combo, j'essaye de l'enchaîner avec la deuxième partie du combo, et là, ça bug. Enfin, ça ne bug pas, mais ça rate. Pourquoi? Parce que ce monstre, ce boss, se relève plus vite entre les deux phases que le monstre de la route, d'une route dont je vous dirai pas le nom, parce que voilà. Du coup, voilà, la première partie qui passait avec la deuxième partie, je la rate. Alors que quand je commence avec la deuxième partie, maintenant la troisième partie elle passe complètement parce que j'ai changé mon combo en plein milieu, j'ai changé mon combo et là ça marche, j'arrive à avoir la fin, c'est juste le début que je n'arrive pas à avoir et je ne veux absolument pas changer de monstre, de boss pour justement faire ce combo. Du coup je suis vraiment, j'essaye, je sais que c'est possible tout simplement parce que l'attaque que j'utilise juste... L'avant-dernière attaque que j'utilise pour passer à la deuxième partie du combo, elle peut pétrifier l'ennemi. Donc elle peut le... C'est pas vraiment une paralysée, mais genre le bloquer pendant quelques secondes. Si j'arrive à avoir la chance d'avoir ça, alors je peux continuer mon combo sans problème. Après, le problème, c'est que chaque fois que j'arrive à avoir cette pétrification, je ne sais pas pourquoi je commence à stresser et je fais des trucs que je n'ai encore jamais fait avant et... Qui justement font foirer le machin. Par exemple, d'habitude, je savais très bien que je devais utiliser une attaque et puis retirer mon doigt du bouton pour justement utiliser une autre attaque parce que si j'appuyais encore sur ce bouton-là, ça allait me lancer une autre attaque. Je retirais tout le temps et bien sûr, la seule fois où j'arrive à pétrifier, je garde mon doigt comme un gros con et je me trompe d'attaque. Du coup, voilà. C'est franchement très malheureux. C'est comme ça, ça va arriver. Et puis le deuxième combo, en fait, j'hésite énormément parce que ça pourrait être très intéressant. Faut savoir que, à la base, j'avais prévu de ne pas faire ce combo avec Alisha. Donc je parle du deuxième combo, hein, celui, le deuxième qui me manque, hein, pas de l'intro. J'avais prévu de ne pas le faire avec Alisha. Et en fait, je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas le faire aussi avec Alisha? Et si je le réussis aussi avec Alisha, pourquoi ne pas le rajouter aussi au montage? Du coup, 2 ou 3, je verrai bien si j'ai envie d'encore comboter avec Alisha ou pas. Même si, bon, comboter avec Alisha, c'est un vrai plaisir, faut l'avouer. Du coup, voilà, ça fait 15 heures que je m'entraîne pour un combo précis de l'intro. Il est franchement magnifique, c'est le combo le plus magnifique de toute la combo movie, c'est celui dont je serai le plus fier s'il réussit, parce que il y a déjà 3 esprits guerriers, merde, je suis pas du tout concentré dans ce match en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Du coup voilà, franchement ça va être magnifique, le début est même si... Encore une fois, il y a un truc que je n'arrive pas à faire contre ce boss. En fait, ce boss, contrairement au monstre qui était présent sur la route, le monstre sur la route, dès que je m'éloignais, il venait m'attaquer. Il venait vers moi. Contrairement au boss donc, que je veux affronter dans la combo movie, lui par contre, dès que je m'éloigne, il va vers mes autres adversaires. Ce qui me dérange, vu qu'alors je suis toujours mal positionné, vu que je veux me positionner d'une manière bien spéciale pour avoir la caméra dans un bon angle. Et du coup, voilà, ça aussi, ça bug. Donc, il y a deux trucs qui sont un peu chiants dans ce combo, entre guillemets.
dans ce premier combo. Mais je vais persévérer, ma PlayStation est encore allumée. Je vais encore essayer après, mais je me disais, si je dois faire une vidéo Inazuma, c'est maintenant ou je ne pourrai plus après. Ce sera trop tard. Du coup voilà. Excusez-moi, je vais juste aller me chercher un petit mouchoir. Non, j'en ai un ici, ok. Excusez-moi, j'ai dû me moucher pendant 2 secondes et là j'ai les oreilles bouchées, super. Du coup voilà. J'espère en tout cas que vous appréciez cette vidéo, hein, même malgré le fait que je parle énormément de Zestiria qui ne vous intéresse pas du tout. Du coup voilà. Allez, qui n'intéresse pas la majorité des personnes qui me suivent, mais bon, voilà. Hein. Moi je vous aime quand même. Je vous aime. Aime. Ah, c'était merdique. Et je le sais, c'est ça le pire. Bref, cette combo movie va être magnifique. D'un côté, j'ai envie d'en parler. J'en ai parlé, mais j'ai pas trop donné de détails vraiment de... Parce qu'il y aura énormément de surprises dans cette combo movie. Je pense que les gros fans des Tales of vont vraiment se dire mais waouh. En fait, c'est un truc qu'on s'y attend quasiment pas en fait. C'est ça qui est bien. C'est que c'est des trucs, j'y ai pensé, mais genre, tout d'un coup, comme ça, je me suis dit, mais ça, ce serait sympa. Et au final, ça rend super bien, ça rend super bien. Du coup, je suis super content. Et la majorité de ces idées, je les ai eues pendant mon voyage en Amérique. Donc voilà, moi, je rigolais tout le temps un peu avec les gens qui disaient, ouais, j'ai besoin de vacances pour un peu me changer les idées. Pour justement trouver de nouvelles inspirations et tout, je me disais mais what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte. Et en fait c'est plutôt vrai, parce qu'en vacances j'étais bien, même c'est tout bête, j'ai entendu une musique à la radio, mais vraiment j'étais dans la voiture, j'ai entendu une musique à la radio que je n'avais encore jamais entendue par ici, et je me dis mais what the fuck, les paroles sont cool pour la combo movie. Au final, j'ai réfléchi à plusieurs trucs, mais je me suis dit mais what the fuck, c'est des paroles, mais elles sont faites pour ce moment dans Zestiria. Mais c'est absolument magnifique. Mais je vous jure, cette musique, on dirait qu'elle a été faite pour Zestiria, alors que c'est absolument pas le cas. C'est une américaine qui chante. J'adore cette chanson en plus. C'est ça le pire, c'est que j'ai vraiment apprécié cette chanson quand je l'ai aimée. J'ai d'abord apprécié et puis je me suis dit mais what the fuck. What the fuck, ça pourrait être bien dans la combo movie ça. Et au final, je rentre à la maison. Bon, je mets quelques semaines avant de me remettre dans la combo movie parce que voilà, mon niveau sur Zestiria avait bien... Merde, j'ai plus assez de TP. Mon niveau sur Zestiria avait bien baissé, du coup faire des combos, voilà, c'était un peu limite. J'arrive à faire le combo, je me suis dit je vais directement aller faire le montage. Et là, c'était absolument magnifique. C'est hype, c'est la fin de la vidéo. Bien sûr, c'est la seule musique qui ne sera pas composée. Allez, c'est la seule musique utilisée dans cette combo movie qui ne sera pas une musique composée pour les Tales of même. Du coup, ça se reconnaîtra et voilà. Donc gentil. Je dis des choses, mais je donne pas de détails vraiment qui vont surprendre les gens. C'est comme il y a un moment, mais je me suis dit. Je me suis dit, je vais faire ça, mais ça va être magnifique. Au final, moi j'ai été un peu déçu de comment ça a été présenté, comment j'ai fait ça en vidéo, parce que je trouve que le raccord entre les deux séquences n'est pas top. Mais j'ai demandé à un ami, il m'a dit, non, c'est une super idée, franchement, c'est très bien. Et puis bon, il y en a 3 qui m'ont répondu, il y en a un qui m'a dit, ouais, c'est bof. Puis il y en a 2 autres qui m'ont dit non, c'est très très bien, très bien. Et puis il y en a même un qui a dit c'est beaucoup mieux que le Sanic que t'as mis de merde. Et puis j'ai dit mais non, mais c'était juste pour rire. Donc dans la vidéo, je vais immédiatement enlever ça du montage, hein, pour ceux qui n'avaient pas. Ah oui, t'as eu Bazooka Omega, c'est juste, je peux le retirer de l'équipe. Ah là là, sai. Échec et mat. Du coup, ouais, voilà. Franchement, j'ai la hype pour cette compo movie. Et le pire, c'est que je la regarde, je la vois évoluer et je me dis à chaque fois c'est magnifique. Mais comme je la regarde beaucoup, franchement je dois avouer que je suis pour l'instant très fier, et je ne le dis pas souvent ça de mes vidéos, c'est que je suis vraiment fier de cette vidéo, je suis vraiment content de comment j'ai pu la faire. Du coup je la regarde énormément et je dois avouer que franchement comment dire,
Je sais pas. Je dois avouer que au plus je la regarde, au plus je suis habitué aux scènes qui sont dedans. Donc je pensais genre me saouler après un moment en la regardant, genre j'ai déjà bien regardé une cinquantaine de fois. Puis je me disais mais ça va me saouler après un moment, je vais connaître toutes les scènes par cœur et tout, je vais plus vouloir regarder. Et ben non, je continue à la regarder, j'ai 2 minutes dans le bus ou dans le train, ben je regarde ça. Franchement oui. Bon, je vais avouer, je faisais un peu la même chose avec des combo movies qu'il y avait sur Xillia 2. Je vais l'avouer. Il y en a des aussi que j'ai regardé en boucle, mais voilà. Voilà. Quelque chose créé par moi. Allez, que j'ai moi-même créé, que j'apprécie autant. Peut-être la première fois que je vais dire que je suis fier de quelque chose que j'ai fait. Par exemple, quand j'ai... Bon, je vous l'ai déjà dit, il y aura 2 intros dans la vidéo. Quand j'ai fait la 2e intro, j'étais quasiment, je sais pas comment dire, mais c'était pas que je me sentais bien, mais j'étais, je sais pas comment vous le dire en fait, mais j'étais pas heureux, mais genre, je trouvais ça magnifique, franchement, honnêtement, la 2e intro. En tant que fan d'Alisha, parce que bon, la 2e intro, je vais pas vous le cacher, et puis même peut-être même la première. La 2e intro, c'est que du Alisha. Et franchement, en tant que fan du personnage, j'ai juste adoré ça, quoi. Je l'ai faite, et c'est comme si je ne l'avais pas faite, en fait, et que je la découvrais pour la première fois, et je me disais... Mais what the fuck, ce gars est un génie, alors que c'était moi qui avait fait ça. Du coup, j'étais encore plus surpris, désolé pour mon téléphone qui vibre, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Du coup, oui, j'étais vraiment, je me disais, mais c'est moi qui ai fait ça. Et en plus, faut savoir que l'intro, donc, qui est déjà fini, entre guillemets, l'intro qui est déjà fini, j'avais fait la partie qui suit juste après, je l'avais déjà faite depuis longtemps. C'était la première chose que j'avais fait, c'était le premier combo que j'avais réalisé juste après l'intro. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour l'intro, je garde juste la même musique, je la prolonge juste. C'est-à-dire que je garde la même fin en fait. C'est-à-dire que je ne la bouge pas, je l'agrandis juste vers la gauche. Du coup, elle commence juste plus tôt au moment où l'intro commence. Et en fait, je dois avouer que ça passe super bien. La transition, je vous jure, je n'ai pas fait exprès, la transition se fait parfaitement avec la musique, c'est-à-dire que on passe de l'intro à justement la scène dans le jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la musique change en même temps. Ça fait genre comme un crescendo, comme un tout. Et c'était comme si c'était fait exprès, franchement. Je me dis, il y a des trucs que j'ai fait juste par coïncidence, comme ça, que voilà. Et puis au final, ça se révèle être juste comme si c'était fait pour, quoi. C'est franchement magnifique. Moi, j'ai adoré. Franchement, je vous le dis honnêtement, cette combo movie, ça va être la plus belle vidéo de toute ma chaîne. Il y aura jamais plus beau, vu que je me serais jamais investi autant dans une vidéo. Sauf bien sûr pour Alisha. Je ne peux pas m'investir plus dans une vidéo que pour Alisha. Je ne mettrai jamais autant de cœur dans une vidéo que pour Alisha. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Franchement, cette vidéo va être magnifique. Et j'espère, d'un côté, j'ai pas envie de dire que je m'en foutrais si elle n'est pas beaucoup vue. Mais j'adorerais vraiment parce que c'est... J'ai envie de dire... L'histoire du jeu, l'histoire de la vidéo, de la combo movie, sera différente de l'histoire ou de l'interprétation du jeu vidéo même. C'est-à-dire que ce sera pas la même chose. Il y a un moment qui est complètement... Mais on va dire, c'est le moment dont je vous parlais là tantôt, que j'avais demandé à des amis qui m'avaient dit que c'était quand même bien. Franchement, pour y penser, fallait être tordu. Parce que c'est une scène de la fin,
que je mélange avec une scène, avec un combat du début, enfin, beaucoup, bien plus tôt en fait dans le jeu, et en fait ça fait tout un raccord. Il y a la musique qui est juste magnifique, et en plus, le nom de la musique elle est magnifique, je vous jure, vous allez le voir, dans toute la combo movie, de toute façon j'afficherai tout le temps le nom de la musique en même temps qu'elle commence. Et vous allez le voir que j'ai mis un very fitting pour la musique, entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que le nom de la musique colle parfaitement avec le moment que je mets dans la vidéo. J'ai choisi ça pour les deux raisons, et en même temps, elle est super bien la musique, c'est la meilleure musique, je trouve, de Motoi Sakuraba, pour Zestiria, et ouais, c'est la seule musique de Motoi Sakuraba de Zestiria que j'utilise dans cette combo movie. Du coup, c'est franchement, c'est magnifique, franchement. Parfois, je me dis que le hasard fait vraiment, vraiment, vraiment bien les choses, quoi. Franchement, je vais vous dire, cette vidéo, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Après, il n'y a pas que ça avec la... Il n'y a pas que ça avec... Je suis pas que occupé avec la combo movie. Je suis aussi en train de refaire complètement mon forum. Il y en a plein qui me demandent ces derniers temps, ouais, quand est-ce que ton forum revient? Parce qu'en fait, il est en maintenance, mon forum. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon forum, allez peut-être jeter un tour dans quelques jours, parce qu'il est bientôt fini. Il y a un nouveau fond, il y a une nouvelle bannière, il y a une nouvelle page d'accueil. La page d'accueil est complètement différente. Des nouvelles icônes. Franchement, pour ceux qui connaissaient le forum, à mon avis, ils vont être assez surpris. Il n'a pas non plus changé à 100%. Il y a des parties que j'ai gardées, bien sûr, parce que ça me demanderait trop de travail. Bon, là, je suis un peu dans la merde. Mais ils vont vraiment être surpris, je pense. Franchement, je pense. Encore une fois, je suis désolé pour mon GSM. Je vais peut-être le couper. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Que c'est pour un bête, ok. Ah. Je vais pouvoir arrêter ce tir. Du coup, oui, le forum va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Que j'ai pas utilisé la moitié de mes esprits guerriers, quoi. Ah, quoique il m'en manque encore 4, plutôt pas mal. J'ai juste peur qu'il n'ait plus PG après, en fait. Immédiat, merde, c'est pas grave au pire, hein. Bon, ça c'est goal. Je suis désolé d'avoir passé ça, mais bon, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je sais pas si pour demain j'aurai le temps de justement faire la vidéo sur LBX, donc voilà, si je vais y jouer ou pas, ça fait déjà plus d'une semaine que le jeu est sorti. Je vais enfin expliquer pourquoi ça a pris autant de retard, entre guillemets. Et voilà, tout simplement. Oui, je chante très mal. Arion. On va aller mettre celui de Oog. Oog. C'est Oog. Sandman, le marchand de sable. Sandman. C'est Sandman. Et ça, c'est Roanar. Ah, mais non, mais lui, en fait, son nom est en français. Du coup, ça passe mieux déjà. Oui, mur de l'Atlantide. Même s'il est en Mixumax plus. Ho ho. Kao Kao, coming true. Il y avait l'avantage élémentaire, certes, mais j'en ai rien à battre. Et déjà, vous perdez 8 PE, le gars. Hein. Le gars, c'est un tuc. C'est un tuc life. Ouais, je sais bien les tuc life. Bayou, le tigre bling. Les tigres bling. J'ai niveau plus. C'est bien. C'est bien. C'est bien. 2046 coups critiques. D'où Jésus.
Flèche Arc-en-Ciel, bien sûr. Non, il y avait eu un nouveau nom pour Flèche Arc-en-Ciel. Ah, désolé, Demos, j'ai oublié. Ah, 301 vues. Ça va, on a eu le numéro magique de YouTube. Le numéro magique de YouTube, 301, bien sûr, qui a disparu depuis quelques semaines, vu qu'ils ont mis à jour leur système. oui, je pourrais aller mettre KOKO. 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 Mais je suis qu'un fou. Je suis qu'un fou. Il me manque quoi comme esprit guerrier? Il me manque plus que KOKO. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je vais vous dire. On va aller mettre Zanak. Zanak. Et on va aller faire ça. Toum, toum. Zanak. On va aller mettre Zanak. Oui. Oui. Vie. Vie. Ben, au final, au niveau esprit guerrier, je m'en serais bien sorti. Ah, Mystique Niwa. Hai wakarimashita. Wakarimasen ga captain. Ah merde, je peux plus utiliser machin. Je peux plus utiliser le mur de l'Atlantide. Well, that's unfortunate. Du coup, plan B. Plan B. C'est le plan B. Vous savez très bien que moi et le plan B, ça fait un. Pourquoi j'ai raconté quoi? J'ai juste plan B et j'ai juste pensé au mot plan B et puis je me suis dit, voix de Canadien, s'il te plaît. Et puis j'ai raconté de la merde, quoi. C'était quoi le but? C'était quoi le projet là-dedans? C'était quoi l'ami? Ah là là, je suis qu'un fou, je suis qu'un con, je suis tout ce que vous voulez. J'accepte toutes les critiques dès qu'elles sont fondées. Problème? Non, je vais rien dire. Bisous. Bisous. Je sais pas pourquoi j'ai bisous. Franchement, je suis passé dans le mode fou. J'ai arrêté de parler de la combo movie, j'ai arrêté de parler d'Alisha, et puis je suis de nouveau fou. Voilà, c'est comme ça. Je ne reste calme qu'en parlant d'Alisha, tout simplement. Vous voyez, là, je parle d'Alisha et je suis calme. Parce qu'Alisha, elle est trop belle. Et qu'elle est devant moi. Parce que j'ai trois posters, wesh. Mon dieu, quoi. Mais elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'attends avec impatience les 25 000 abonnés. Pas tout simplement pour avoir les 25 000, hein, non. En fait, honnêtement, je m'en fous du nombre, hein. Honnêtement, c'est plus la qualité qui compte. Vous êtes magnifique dans les commentaires. Chaque fois que vous me dites quelque chose, je suis content. Du coup, c'est ça qui est important pour moi. Après, pour moi, les 25 000, la vidéo 25 000, je sais déjà ce que c'est. Je vais pas le dire. La plupart de vous aura déjà compris avec ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Voilà, j'ai juste hâte de faire cette vidéo. Ah, 301 encore une fois. YouTube. En fait, lui, c'est le mec de YouTube. C'est le PDG de YouTube. Enfin non, l'ancien PDG qui a été viré. You're fired. Lol. Ok, j'ai encore reçu un message. Et c'est juste un tout bête. Lol. Lol. Lolilol. Bon. Arion, Cherwind. Arion. On va aller utiliser... Merde. C'est moi ou j'ai... Non, c'est les ennemis qui ont fait Mixmax. Mixmax. Yeah, bitch. Yeah, yeah, yeah. On va directement passer en armure pour gagner du temps. Le gardien. Les guerriers du Nord. Gvamou, les guerriers du Nord. Gvamou. Non, j'arrive plus. Excusez-moi. Il a gagné. Sérieux, et j'ai fait quelque chose de très dangereux. J'ai laissé tomber ma 3DS. Ce qui peut faire planter tout le truc. Ah oui, critique, ok. I understand now, bitch. Ah putain, j'aurais dû laisser Arion faire le tour. Barrière à peu solu. Barrière à peu solu.
Barrière à Besolu. C'était bien sûr fait exprès. Barrière à Besolu. Absol, wesh, lol. Je fais vraiment des trucs bizarres. Allez, on va reparler d'Alisha. Alisha, c'est la plus belle, elle est magnifique. Et je vous saoule, je parie avec Alisha, je sais. Mais... Ah. Bon, on va changer de sujet. Promets. Je promets, on va changer de sujet. Chinon. Ah là là, je devrais vraiment faire mon top 10 waifu. Hein. Pire, c'est qu'il y aura des surprises. Franchement, il y a des trucs que personne ne s'attend. Hein. Franchement, il y a un personnage que j'adore absolument, j'en parle quasiment jamais. C'est-à-dire que j'ai cité Alisha et Chinon il y a à peine quelques secondes. Problème, c'est qu'il y a tellement une différence d'écart entre le nom... Il y a une grande différence pour moi entre Chinon et le personnage dont j'ai jamais parlé. C'est-à-dire que, franchement... Il y a des têtes qui vont tomber si je fais un top 10 waifu. Franchement. Danse de l'air. Il y a des têtes qui vont tomber, moi j'ai. On va spammer les danses de l'air. Des danses de l'air, hein, oui. C'est très bien les danses de l'air, hein. Les danses de l'air, c'est très bien parce que c'est K.O.K.O. qui les utilise. Et bien sûr, comme vous le savez, avec mon accent, hein, c'est... Moi, mon pays, ça l'appelle... Non, c'est... L'accent, il était bien, il avait bien commencé. Et puis, il est parti en couille. Je sais pas où ça a merdé, mais ça faisait plus belge tout d'un coup. Du coup, voilà, écoutez. Je devrais arrêter parce que je parie qu'il y a plein de gens qui trouvent ça très très embêtant et qui du coup appuient sur le bouton désabonner. Même si encore une fois, à part pour la vidéo 22 à 25 000, m'en fous du nombre, c'est la qualité qui compte. Encore une fois, c'est le nombre. Non, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité qui compte. La qualité, bien sûr, écrit K-A-L-I-T-A-Y. Tout le monde sait ça, la qualité. Je rigole bien sûr. Je sais comment ça s'écrit. Faut écrire I à la place du Y. Je déconne. À qualité. Objectif atteint. Mon mode combat désactivé. LOL. Ok, gant mirage, maillot mirage, super. Oups, on va aller vers vite fait le tour de l'équipe, voir s'il y a quelque chose qui a évolué, rien du tout. Mur d'Atlantide niveau 3, Bayou 4, c'est tout. Merci, on m'a appelé parce qu'on mangeait, super. J'aime bien manger. Amaterotsu en 4 depuis 2 matchs, merde. Les amoureux 3, Fléau Obscur, bla bla bla. Ok, non, super. Écoutez, en tout cas j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo, passé un bon moment avec cette vidéo. Je suis désolé qu'il y ait peu d'Inazuma ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de travailler sur le Kaminari Change malheureusement. Du coup voilà, tout simplement parce qu'en fait pour le Kaminari Change j'essaye de trouver un Mixhimax très très bon. Un très bon Mixhimax pour le personnage que je veux utiliser comme capitaine. Et le problème c'est que je ne trouve pas ce personnage. Du coup voilà, c'est juste malheureux, mais c'est comme ça. On va se retrouver bientôt, je vous le promets, pour le Kaminari Challenge. Mais entre temps, moi ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine. La vie, la commovie, je peux l'assurer, elle va sortir dans les 6 prochains jours. Pourquoi dans les 6 prochains jours? Parce que j'ai fait la commovie dans Adobe Premiere Pro et que mon abonnement, voilà, il est terminé cette semaine-ci, dans 6 jours. Et du coup, voilà, je vais devoir la sortir dans 6 jours, sinon ce sera bye bye commovie, une trentaine d'heures de montage pour rien, du coup. J'ai trentaine, mais ça pourrait être plus, je sais pas, j'ai pas compté. Faut aussi compter le nombre d'heures que j'ai regardé ce machin. C'est de merde. Du coup voilà. On va s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir, salut, bonne journée. Et je vais aller manger. Ciao tout le monde.